Usurpation d'identité, Konitouré crie et monte au créneau. Konitouré, icône de la télévision ivoirienne, a choqué ses fans en annonçant qu'elle saisirait bien sûr les autorités compétentes pour une affaire préoccupante. Sur sa page Facebook, elle a dénoncé l'usurpation de son identité sur TikTok où des imposteurs créent des comptes en son nom pour tromper les internautes. Récemment, un faux compte avec plus de 200 000 abonnés a franchi la ligne rouge en faisant la promotion de jeux de hasard, violant ainsi ses convictions religieuses. Konitouré, ami proche de Marie-Paul Adjé, a appelé bien sûr ses fans à signaler ses comptes, mais la prolifération continue. Les fans ont réagi avec indignation, bien sûr, certains rappelant les règles de l'islam et tout. Face à cette situation alarmante, Konitouré a décidé d'agir fermement. Elle a promis de collaborer avec la PLCC pour identifier et sanctionner ces fraudeurs. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. A tout de suite pour un nouveau Flash. Ciao. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.